La couleur des émotions. La couleur des émotions. Voici le monstre des couleurs. Aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied. Il se sent bizarre, perdu, désorienté. Dans sa tête et dans son cœur, tout s'embrouille et se bouscule. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Lui dit son amie la petite fille. Te voici tout barbouillé. Tu t'es encore emmêlé les pinceaux. Bon allez, suis-moi. Regarde-moi cette pagaille. Tes émotions sont sans dessus dessous. Ton cœur est un vrai fourre-tout. Comment veux-tu t'y retrouver? Ah oui, il y en a partout là. Je vais te donner un conseil. Les émotions, commence par les séparer, puis range-les chacune dans un flacon étiqueté. Ainsi, tu y verras plus clair. Si tu veux, je peux t'aider à les reconnaître et à y mettre de l'ordre pour que tu retrouves ton bien-être. D'accord? Commençons par la joie. La joie est contagieuse, merveilleuse. Elle brille comme un soleil et fait vibrer le cœur tel une abeille. Et oui, là, il a l'air content. Quand tu es joyeux, tu as envie de rire, de sauter, de jouer, de danser. Et tu veux partager ta gaieté avec ceux que tu aimes, avec le monde entier. La tristesse. La tristesse nous accable, immense comme la mer, mélancolique comme un jour de pluie. Elle refroidit notre cœur et l'engourdit. Ah oui, là, il est triste. Quand tu es triste, tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens seul, abandonné. Parfois, des larmes coulent de tes yeux. La colère. La colère est dévastatrice. Elle éclate comme l'orage. Elle allume notre cœur et brûle tout sur son passage, telle une flamme destructrice. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser. Tu déverses ta rage sur les autres. Parfois, tu cries sans pouvoir t'arrêter. Ah, il est en colère. Hein? La peur. La peur est lâche, sournoise. Elle étouffe notre cœur comme un serpent. Elle se cache dans la nuit, tel un voleur. Quand tu as peur, tu te sens tout petit, faible, incapable d'agir posément. Et tu peux devenir méchant. La sérénité. La sérénité nous berce. Elle est douce comme une maman, légère comme une feuille au vent. On peut le voir là. Quand tu es apaisé, ton cœur respire lentement. La vie se déroule aisément. Tout semble facile. Voilà les émotions qui te submergeaient ce matin. Tu vois, elles ont chacune une couleur différente. Le bleu pour la tristesse. Le rouge pour la colère. Le vert pour la sérénité. Le noir pour la peur. Et le jaune pour la joie. Et quand elles sont bien rangées, il devient plus facile de les comprendre. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Jaune, la joie. Bleu, la tristesse. Rouge, la colère. Savoir ce que l'on ressent, c'est important. Noir, la peur. Vert, la sérénité. Mais que t'arrive-t-il à présent? Voyons, veux-tu me dire ce que tu éprouves? Oh, c'est rose, qu'est-ce que ça peut être? Ah, ouh, mais que lui arrive-t-il au monstre? À toi de me le dire. La fin. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à très vite. Au revoir les amis.